Waouh, j'en ai eu des frissons, c'était vraiment super. C'est vrai, ça t'a plu? Ouais, ouais, je pensais pas que tu chantais comme ça. Enfin, je t'ai entendu dans les disques, mais en vrai, c'est... c'est autre chose, quoi. Bah, tu crois quoi? Elle assure notre patronne, hein? Oh, mais ça, c'est parce que j'ai de super musiciens. Et musiciennes, bien sûr. Ça, c'est vrai, vous assurez, bravo. En revanche, on danse comme des patates, hein, si ça peut te rassurer. Je suis sûr que si vous vouliez et vous donniez un peu de mal... Oui, bon, ça, c'est le grand concept de Nathan. La musique, il dit que c'est un tout. Ah oui, pour moi, quand on l'exprime en dansant, en chantant ou jouant, c'est pareil. En tout cas, j'ai adoré. Eh ben merci, ça me touche beaucoup. Tu vois, ça c'est mon vrai métier. T'as d'autant plus de mérite d'être accroché comme ça pour danser. C'est gentil. Je suis fier de toi. Bon, moi je vais y aller, j'ai une répétition, mais si ça te va, je peux repasser. Oui, enfin, si ça vous dérange pas, bien sûr. Absolument pas. Bon, bah tu vois, c'est quand tu veux. Mes amitiés à Christelle. Je la vois plus beaucoup, tu sais. On n'est plus ensemble. Ah, pourquoi? Rien de grave, je t'expliquerai un jour. Bon courage, à bientôt. À plus. Salut. Donc, il est célibataire? Bah ouais, c'est ce qu'il vient de nous dire. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas su te dire que je t'aimais. Je n'ai pas su non plus enfin te rassurer, te dire que tu étais beaucoup plus qu'un ami, que tu comptais plus que tout dans ma vie. Waouh, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Ouais, sa vie, c'est super. Oui, Fanny, tu nous as vraiment emportés. Eh ben écoute, je suis super contente parce que c'est une chanson qui me plaît beaucoup. Le texte est super. Ben vous savez quoi? C'est une histoire vraie. En fait, quand j'avais 16 ans, j'avais un ami, c'était mon meilleur ami. Je lui confiais tout, mes histoires de cœur, mes joies, mes peines. Il était toujours là pour moi. Puis un jour, il a disparu, mais comme ça. Et j'ai pas compris pourquoi. Alors, on avait une amie en commun qui m'a expliqué qu'en fait, c'est parce qu'il était secrètement amoureux de moi. Et il a jamais osé me le dire. Et toi, tu t'es rendu compte que t'étais amoureuse de lui, c'est ça? Oui. Forcément, ça m'a touchée, mais c'était trop tard.
Mais attends, mais vous vous êtes revus ? Non, jamais. Mais j'ai raconté cette histoire à Christian et on a décidé d'en faire une chanson. C'est vachement beau, hein. Il m'est arrivé la même chose, moi, mais la fille n'était pas amoureuse de moi, elle s'en foutait. Ah ouais ? Ah, c'est vachement triste, ça. Oh, mon pauvre Julien, mais qu'est-ce que t'en sais si tu l'as jamais revue ? Ouais, c'est vrai, ça. Purée, j'ai peut-être raté l'histoire de ma vie. Bon, les copains, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, sauf si Fanny, tu veux revoir un titre. Non, c'est bon. Et puis, en fait, pour tout vous dire, j'ai eu un message de Christian qui m'attend à la maison. Bah, il devait pas passer ? Si, mais en fait, il a une surprise pour moi, alors j'ai hâte de savoir ce que c'est. On se voit demain ? Yes, à demain, Fanny. Ciao. À demain. Merci beaucoup, au revoir. Allô, mon amour, t'es à la maison ? Ah, super, bah écoute, j'arrive. Oh, j'ai hâte de voir ma surprise. Ok, Alex, bon, tu te caches bien là et tu bouges pas. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Comme on a dit, ok, vas-y. Voilà. Mon amour, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Bon, ça a été la répète. Oui, bah, je peux te dire que c'était beaucoup plus facile que la danse. Mais en tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de retrouver mes musiciens. Bah ouais, mais maintenant, t'es une chanteuse qui danse. C'est top, non ? Oui, enfin, qui danse. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai revu Nathan. Il m'a dit qu'il était plus avec Christelle. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est plutôt un boulet, cette fille. Hein. Oh, il a bien fait de s'éloigner d'elle. Moi, je t'ai pas tout dit, hein, mais elle était un peu collante. Elle m'a fait te rendre dedans. Hein. Tu crois que je m'en étais pas aperçue ? Je l'avais vue, mais bon, j'ai rien dit. Mais tu m'en as pas parlé ? Parce que je te fais confiance, mon amour. Bon, alors, c'est quoi cette surprise ? Cette surprise ? Ah oui, la surprise. Alors, installe-toi ici. Ah. Voilà. Maintenant, tu fermes les yeux. Coucou ! Oh, Alex ! Oh non ! Oh là 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 là. Je reviens pas que tu sois là. Tu sais, je me suis tellement inquiétée. Et il t'a pas raconté, Christian ? Bah si, je lui ai raconté, mais on avait raison de s'inquiéter. Hein. Si tu savais dans quel état on l'a retrouvé. Quoi ? Ouais. Je me suis fait tabasser par des gens d'une secte qui voulaient pas me laisser partir. C'est quoi, cette histoire ? Bon, bah installez-vous, on va te raconter. Je vais aller chercher à boire. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de te revoir, Fanny. Moi aussi. Et félicitations pour ton mariage. Tu dois vraiment être heureuse. Ouais, je suis très heureuse. Bah, en tout cas, moi, je suis super heureuse pour toi aussi. Même si j'ai le cœur un peu brisé. Oh, Alex. Mais t'en fais pas. Je vais aller me consoler ailleurs. Enfin, j'espère.